Bonjour, mon nom est Chong Ping Yu et bienvenue à la minute technique de SolidWorks Simulation de SolidExpert. Nous allons voir comment définir un connecteur de cordon de soudure qui nous permettra de calculer la taille de la soudure requise pour une connexion ainsi que les résultats au niveau des efforts. Nous n'avons qu'à choisir le type de soudure ainsi que les entités qui seront connectées ensemble, soit dans ce cas-ci, ces deux faces formant une ligne comme intersection dont la soudure y sera appliquée. Ensuite, nous allons définir les caractéristiques de la soudure, telles que le type d'électrode, le facteur de sécurité désiré et une certaine taille estimée de la soudure. Une fois le calcul terminé, nous pouvons voir une comparaison de la taille estimée de la soudure par rapport à la taille nécessaire, ainsi que les résultats détaillés sur chacune des soudures, avec la possibilité de faire afficher la taille de la soudure requise en fonction de la longueur. Ceci met fin à la minute technique de SolidWorks Simulation de SolidExpert. Merci et à la prochaine.